Alors aujourd'hui, je représente le village Protection des Cultures. C'est un village qui regroupe plusieurs ateliers, des ateliers thématiques très techniques, mais aussi des ateliers sur des thématiques plus globales, sur des enjeux environnementaux et sociaux, donc avec des démonstrations dynamiques sur des technologies de pulvée, des stabilisations de rampes, et également beaucoup d'innovations et de technologies pour optimiser la pulvée, c'est-à-dire garantir la réussite et l'efficacité des traitements, tout en garantissant la réduction de doses et du zéro résidu également dans l'environnement jusqu'à la production finale. Alors pour les visiteurs, on va les accueillir sur un chapiteau central qui va regrouper des interventions sur de l'optimisation de bouillie avec des questions d'adjuvantation, de traitement de l'eau, sur la qualité du produit apporté. Il y aura également une intervention sur la communication positive en agriculture pour aussi parler de traitement et de pratiques de pulvérisation sans tabou et aussi parler de ce qui se fait de plus positif sur nos pratiques agricoles. Autour de ce village, Protection des Cultures, il y aura tout un tas d'animations dynamiques sur des démonstrations de différentes buses notamment, sur de la stabilité de rampes de pulvérisation, sur de l'incorporation de produits en sécurité, sur du rinçage également, bref, tous les enjeux globaux et très spécifiques qui sont propres au traitement des cultures et à la protection des cultures.